Une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci pour aborder notre deuxième sujet consacré sur les terres entre le Congo et le Rwanda. Alors, nous savons que beaucoup d'hommes politiques qui ont réagi face aux accords signés entre le Rwanda et le Congo sur l'utilisation des terres agricoles. Et nombreux ont été ceux-là qui ont demandé si ces accords étaient passés par le Parlement. Justement, nous allons vous proposer un élément qui met en relief l'avis du président du Sénat, avis donné lors de l'ouverture de la dernière session parlementaire. Une opinion forte a été lancée, solidement amplifié et entretenu, décriant une certaine vente d'une partie de terre congolaise. Au stade actuel de nos recherches, rien ne permet de soutenir qu'une portion de terre congolaise a été vendue. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. Alors, nous avons tous suivi ce que Pierre Ngolo a dit. Est-ce que on peut dire, Albert, que la sortie de Pierre Ngolo vient finalement apaiser l'inquiétude un peu des populations devant cette affaire de terres concédées, cédées, vendues au Rwanda? Je crois qu'il faut être sincère. Je ne pense pas que cela apaise parce que l'affaire est, marqué par tellement de sous-entendus, tellement de suspicions et tellement d'accusations, fondées ou non, que finalement il ne suffit pas d'un démenti, un seul démenti pour que cela conduise à l'apaisement. Je vous rappelle, sans vouloir vendre simplement mon équipe ou mon camp, que avant le président du Sénat, les évêques du Congo ont été reçus par le Premier ministre et que leur déclaration était peu ou prou celle-là. C'est-à-dire que eux, ils ont vu les textes et rien ne permettait de dire, de conclure qu'il y avait eu cession de terre. Mais ça, il n'y a pas eu cession de terre, mais est-ce qu'il n'y en aura pas? Donc ça, l'opinion est toujours en train d'ajouter une brique par-dessus l'autre pour voir jusqu'où cette affaire finalement est allée. Il y a eu, vous savez, les acteurs qui sont suspectés dans cette affaire. Il n'y a pas que le président de la République avec ses déplacements à Kigali. Il y a eu aussi le ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé suspecté de finalement préparer le terrain pour, au sens propre comme au sens figuré, pour donc ces Rwandais-là. Alors donc voilà, il nous faut un peu plus que la simple dénégation pour que le Congolais soit rassuré sur cette opération. Justement, qu'est-ce qu'il faut aux Congolais pour être rassuré? Quel élément de puzzle qu'on doit sortir pour que les Congolais aient vraiment un cœur tranquille à propos de cette situation? Mais d'abord, être informé. Je crois que c'est le plus important parce que là où il y a un vide, le Congolais, c'est une nature, normale de l'humain, comble les vides par sa propre réflexion, par ses propres faits. Il ne s'agit pas forcément de fake news, il ne s'agit pas de fausses informations, mais à un bout d'information, il en ajoute une autre et donc finalement, tout cela lui donne l'impression d'une cohérence autour d'un destin que nous ne maîtrisons pas. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 2026? C'est cela aussi la question où le nom dit. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Rwandais sont déjà là? Est-ce que il y a des gens qui ont déjà pris de l'argent pour ça? Nous avons vu le préfet Kalanchumu dans la Bouenza, donc fortement dire que s'il y avait des champs qui ont été évacués manu militari par des Rwandais au détriment des populations congolaises, eh bien, il fallait que cela retourne à la normalité. Ça, ce sont des petits faits à gauche, à droite qu'il faut mettre. Alors donc, je pense que pour arriver à l'apaisement, il nous faut
carrément, donc une bonne information complète, pure et sans oui, tricherie. Justement, cette information, quand on regarde tout le gouvernement, enfin toutes les institutions sont en train de se mobiliser pour dire que non, les accords sont là, finalement, quel genre d'information faut-il? Ben, vous savez, le problème, ce n'est pas le gouvernement ici qui peut produire une information qui va apaiser. C'est pas lui qui viendra nous dire exactement ce qu'il en est. Mais c'est que, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, que l'exercice passe aussi par l'opinion publique, la société civile, qu'il y ait même au Parlement une session publique, plénière, affirmant haut et fort que bon, voilà où est-ce que nous en sommes et voilà où est-ce que nous avons risqué d'être, mais où nous ne pourrons plus aller. Alors, Fouque, nous avons vu Pierre Ngolo, c'est quand même la deuxième personnalité du pays qui dit qu'il n'y a pas des terres cédées ni vendues. Que faut-il encore pour que les Congolais vraiment croient en ce que le gouvernement peut annoncer comme information? Je crois que Albert l'a dit. Pierre Ngolo fait partie d'un système. Il est là pour défendre un système. Il dit qu'il faut communiquer. Ça veut dire qu'il y a eu absence de communication sur cette affaire. S'il y a eu absence de communication sur cette affaire, écoutez, le gouvernement congolais a menti au FMI. C'est au peuple congolais qu'il ne va pas mentir. Donc, il faut que ce gouvernement communique. Il vient de proposer même une session. Est-ce que tenir une session au Parlement sur cette affaire pour que, au sortir de là, que les Congolais comprennent, acceptent, oui, nos terres n'ont pas été cédées. Parce que s'il n'y a pas une communication organisée et solide dans nos quartiers, dans nos avenues, dans certains clubs, les gens parleraient que de ça. Mais nous avons vu le Premier ministre faire toute une tournée dans les zones même, dit-on, concédées, mis à disposition des Rwandais. Cette sortie-là ne suffit aussi pas? Chers confrères, c'est une sortie du Premier ministre, donc une action politique. Une action politique en faveur du gouvernement. Vous allez apprécier cette action, que vous soyez du gouvernement, que vous ne soyez pas du gouvernement, vous soyez au centre. Mais qu'est-ce qui vous amènerait à accepter que ce qui s'est fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui devait se faire? Pour que la tension baisse dans nos quartiers, dans nos clubs, je ne sais pas moi où. Mais Albert, alors, qu'est-ce qui provoque cet engouement? Pourquoi, quand il s'agit des Rwandais, qu'il y a comme cette suspicion-là? Pourquoi? Parce que nous sommes pris en tenaille par un environnement qui nous pousse à aller de l'avant et à faire de l'anti-rwandais quelque part, sans tomber dans la xénophobie dont parlait l'autre ministre. Nous sommes ici au Congo, tranquille. Nous n'avons pas de guerre, nous n'avons pas d'affrontement ni de tension à aucune de nos frontières, mais il se trouve que le Rwanda est en guerre avec la République démocratique du Congo. Je vous signale d'ailleurs, vous êtes un peu jeune, mais le Congo a déjà eu des populations étrangères qui sont venues s'installer chez nous. Nous avons eu des Burundais dans les années 70. Des terres ont été cédées à des Sud-Africains, à des Chinois, à des Malaisiens. Et ça n'a pas suscité autant de réprobation parce que précisément nous avons la pression en face de nous, de nos cousins de la République démocratique du Congo qui disent « Nous sommes en guerre parce que les Rwandais soutiennent le M23, les rébellions à l'Est. » Alors vous voulez faire ami-ami avec eux, comme si vous étiez insensible à notre souffrance, vous n'êtes pas sérieux. Ça, d'ailleurs, les gens l'ont dit d'une manière parfois même très très brutale sur leur télé, leur chaîne de radio, etc. Donc ça, c'est l'unique et principale raison. Autrement dit, Rwandais, Sud-Africains, Chinois, s'il répond aux critères que le Congo s'est imposé pour céder, faire louer ses terres, y produire du ricin,
y produire du piment, a-t-on précisé à Kigali. Le piment que nous produisons nous-mêmes, disons, derrière la case. Oui, mais là aussi, les deux partenaires ne s'entendent pas. Faut-il produire du ricin? Faut-il produire du piment? Est-ce que ça ne contribue pas aussi à alimenter le doute sur ces accords-là? C'est pourquoi nous disons, nous sommes tous deux autour de cette table unanime pour dire que l'information a été mal vendue. Mal vendue. Donc, il faut bien préparer les choses parce que est-ce que c'est de l'huile de ricin que nous allons produire de là? Une délégation rwandaise est partie toute triomphante à la télévision rwandaise disant que nous avons acquis une terre dont la superficie est égale à celle de Kigali. Deux fois. 980 hectares. Plus de 900 hectares. Et donc ça, quand même, quel que soit le Congolais qui entend de ça, quelles que soient les intentions dont il est animé, il se dit, mais enfin, quand même, moi, je suis en train de dormir sur mes lauriers, mais ma patrie est en train d'être saucissonnée. Ah, justement, fou que la télévision rwandaise parle de dons. Mais pourquoi les autorités congolaises ne peuvent pas se prononcer sur ce que la télévision rwandaise, qu'est-ce qui les empêche d'apaiser finalement le peuple? Si on a mal communiqué pour le sujet, ça veut dire que même dans les détails, on sera pas précis. Raison pour laquelle il y a ce yo-yo, on ne voit pas clair. Là où c'est vert, on voit noir, que c'est noir. Et du coup, la population se dit trahie par les autorités. Alors que, mon vis-à-vis l'a bien dit, les terres ont été cédées aux Sud-Africains, aux Malaisiens, aux Burundais pour travailler aux Chinois. Ça n'a jamais fait autant de bruit. Mais c'est parce que, chez nous, on cache même ce qui est dans les détails. Alors que si on peut communiquer, le peuple va écouter, le peuple va comprendre et on avancera. Est-ce que en communiquant, si on dit non, les terres ont été vendues, en communiquant, ça n'allait pas soulever de tollé? Ou le peuple veut comprendre quoi? Parce que là, le gouvernement dit on n'a pas cédé, on n'a pas vendu, mais la tension ne baisse toujours pas. Oui, mon frère, on n'a pas cédé, on n'a pas vendu, mais c'est parce que la population ne croit pas. Et du coup, la population, le gouvernement fait que du surplace. À dire tous les moyens que le gouvernement va utiliser pour cette affaire, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas croire. Mais parce que, en prenant le terme de mon doyen, nos cousins vont toujours penser que nous sommes en train de jouer à un mauvais jeu. Donc, est-ce que, puisque le gouvernement parle, la population ne comprend pas, faut-il annuler ces accords ou que doit-on faire de ces accords? Mais est-ce que le gouvernement est obligé d'aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est mauvais de revenir à une décision? C'est là où les gens pensent qu'il y a autre chose derrière ces accords-là. Oui, Albert, le gouvernement dit, le peuple ne comprend pas. Faut-il annuler? Faut-il supprimer? Que faut-il faire finalement? Oui, mais on le dit, le maître souverain, c'est le peuple. Si le peuple dit, nous n'en voulons pas, vous allez persister dans cette détermination pour avoir quel gain, c'est-à-dire pour satisfaire quelle partie de la population. Nous sommes Congolais, nous sommes chez nous. Et je vous fais remarquer un petit détail. Les Rwandais, ça n'est pas la première fois qu'ils sont chez nous. Ils sont là même depuis les guerres que nous nous sommes faites dans les années 90. Il y avait des Rwandais aussi qui étaient installés à Kintele, bien installés, et il y en a là jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore là. Ils sont des commerçants. À Odiba, Ango, etc. Ils produisent la tomate, ils sont là. Ça n'a jamais posé des problèmes, disons, d'hostilité de cette manière-là. Alors pourquoi cette fois-ci? C'est pourquoi je vous dis, c'est que, ou bien, nous suspectons, nous, les Congolais, nous, l'opinion congolaise, qu'il y a autre chose que ce que l'on nous montre, ou bien alors, Nos cousins d'en face exercent une pression telle que nos consciences commencent à être ébranlées aussi en nous disant, voilà,
Il y a des Tchadiens en Afrique centrale, il y a des Camerounais, il y a des Centrafricains. Eh bien, trouvons des Camerounais pour venir produire de l'oignon chez nous. Pourquoi pas les Camerounais? Et nous sommes allés chercher le Rwanda, qui peine lui-même à reconnaître qu'il est en guerre contre la République démocratique du Congo, malgré tous les rapports que l'on produit aujourd'hui. Malgré tous les rapports qu'on produit aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas toujours assuré. Par ces mots, nous mettons donc fin à notre émission. Nous nous retrouverons dimanche prochain. Au revoir et à très bientôt.